Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On avait découvert Balnéa et les Tinikins bleus, les Tinikins explosifs. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Et voilà où on en était. On avait fait seulement un premier épisode sur les termes de Balnéa. Donc on était tranquillement sur eh bien le début. Donc on n'a aucun des objectifs, puisqu'on n'a, je crois, même pas parlé encore aux différents organisateurs. Et on a trois quêtes à faire en plus, donc deux qu'on ne connaît pas et une qui est livrée les cadeaux de Jack et Rose. Par contre, j'ai l'impression que vous n'avez pas de son du jeu. On va voir ça tout de suite. Non, c'est bon. Le son du jeu, il n'y en avait juste pas sur cet écran. Et on a déjà trouvé deux lettres, mais on n'a pas pour l'instant trouvé la poste. On était sur ce petit endroit un peu surélevé qui nous donne une bonne vision sur ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va continuer de monter. On a déjà un petit nombre de tiny verts. Voilà, hop. Je vais me laisser descendre tranquillement. J'ai pas assez de hauteur pour aller sur le pommeau de douche. On va essayer de faire ce qu'il faut. Voilà, on a ce qu'il faut pour aller sur le pommeau de douche. Et avec un peu d'élan, on devrait pouvoir aller ici tranquillement. Ou visiblement, on peut prendre ça. Ce qui nous valide un objectif. Et ici, on se valide tout simplement la corde pour redescendre un peu plus facilement. Est-ce que je vais avoir assez? Je suis pas sûre. Ah bah maintenant je suis sûre que non. Ouh, je suis pas morte. Je sais pas si ça m'arrange pour le coup de pas être morte. Donc on va tranquillement redescendre. Sachant qu'on a pas fait plein de choses en bas. Voilà. Plein de choses comme casser ces choses-là. Comme discuter avec ces gens. C'est vrai qu'on a un peu tout éclaboussé l'autre soir. En même temps, s'ils veulent piéger leur protéger leur fosse à côté, ils ont qu'à utiliser du triple épaisseur. Le triple épaisseur étant bien sûr hein, du PQ. Hein. On n'oublie pas où on est. Donc on a fait tomber la bouteille de bain moussant dans la baignoire. Pour l'instant, pas une énorme conséquence, on va bien se l'avouer. Oups. Voilà, on va remonter. Voilà. Elle est bien grande, cette baignoire. On a des choses de l'autre côté du rideau de douche. Depuis que la musique s'est arrêtée, j'ai l'impression d'avoir un type qui me siffle dans les canaux auditifs. C'est normal ou pas? Non, je suis pas sûre. Je pense que c'est pour ça que tu t'appelles Koufen, mon gars.
Ok, donc ici, il faut qu'on rajoute quelque chose dedans. Je vais quand même remonter parce que on a vu qu'on pouvait relier les trucs électriques. Ah oui, donc le truc électrique qu'on peut relier de ce côté-là, c'est probablement cette radio. Donc déjà, on libère les tinis. T'entends ça? Ouais, que dalle, man! Il faut du jus pour blablablaster du son avec cette beauté, tu piges! Il faut effectivement. Ah oui. Mais, sauf que pour savoir combien il m'en faut, il faut partir de l'autre côté. Donc ça veut dire partir ici. Alors ça veut dire que probablement il y a quelque chose qu'on va pouvoir pousser, hein, parce que on se doute bien que. On peut pas passer là comme ça. Donc. Voilà, le chemin est dégagé. Combien de tinis sont conseillés? 24, on en a 40. Donc, on est parti. Et. L'objectif est d'aller jusqu'à la radio. Donc la radio qui commence à être plus très loin. Voilà, on a rétabli la radio, le courant. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Sur le pourtour de la baignoire, ça a l'air d'être tout. Il y a un chemin. Ici, qui nous amène sur d'autres étendues. Je vais pas le faire pour l'instant. On va essayer de se concentrer zone par zone. Donc, on va essayer de finir du côté de cette baignoire. Sachant qu'on a vu également qu'il y avait une autre prise de l'autre côté. Voilà. Donc, on va parler aux organisateurs. Ma, c'est quoi ça? Une baignoire sans yacht? Autant organiser une fête dans une flaque d'eau. Il faut qu'on récupère le yacht pour que les jet-setters reviennent. Ok. Comment je suis censée ambiancer la foule sur mon laser, hein? Les bousiers l'ont planqué en haut de la tour placard. Je suis un artiste, moi, pas un alpiniste. J'adore les références, hein, parce qu'on vient d'avoir Jean-Michel Jarre et maintenant on a David Guetta. On va s'ambiancer comme jamais sur la radio. Plus la soirée dure, plus t'augmentes le volume jusqu'à ce que tout le monde soit sourd. Merci pour le bain moussant, mon pote. Dis, faudra que tu m'expliques comment tu fais tes petites acrobaties, tes bulles, entre les amateurs. Les bougies ont éteint le radiateur, les poissons d'argent aiment le froid, mais c'est pas le cas des touristes. Faut qu'ils aient bien chaud pour leur donner envie de consommer, de faire trempette. Tu peux grimper là-haut pour allumer le radiateur avec tes petits potes? On doit sans doute pouvoir le faire, effectivement. On va du coup casser ça et casser l'autre chose. C'est parfait, on va pouvoir remonter assez facilement du coup. Et ici, c'est juste une corde pour remonter, redescendre. C'est parfait. Par contre, on va peut-être un petit peu se libérer de nos lettres. À un moment, ça commence à être un petit peu beaucoup. Nos lettres, tout simplement, on les voit pas, hein, avec la vision magique. Mais. Là, on a
le brasseur. Mais globalement, on sait que c'est assez accessible et qu'il n'y a pas trop besoin de grimper pour trouver ce genre de choses. Le brasseur. Ou en tout cas, pas dans des recoins inaccessibles et cachés. Donc, je pense qu'en faisant le tour par terre, on devrait pouvoir trouver. Eh ben, c'est la déprime, ces vacances à la maison! Mais bien sûr, frère, il croit qu'on a une tronche à trimballer du papier! Au fait, vous avez fait quoi du courrier que vous devriez livrer? Tu m'as prévenu au dernier moment, j'ai juste balancé mon sac quelque part, j'irai le récupérer plus tard. Ouais, de toute façon, les gens sont bien au courant que nos délais de livraison sont approximatifs, à force, non? Faudrait mieux, je compte pas partir d'ici avant qu'on ait pu s'amuser un peu, ils ont qu'à nous donner plus de RTT aussi. Ouais, donc on a trouvé les postiers, plus qu'à trouver la poste. Mais j'y pense, si les bougies ont plus le droit de venir, qui va qui s'occupe du ménage? On peut faire un tour de rôle, ça non? On faut le faire tous les combien? J'ai bien peur que cette corvée doit être répétée après chaque fête. Mais comment c'est trop naze? Si on fait ça, on va mourir! On libère des petits tini. Il y a des tini ici aussi. Et on a trouvé la poste. Voilà. Ça fait déjà ça de prix. D'ailleurs, je peux pousser ça. Mais pousser ça dans quel sens? Ok, ça libère un chemin, visiblement. Hop. Et comme partout, on a une petite fournile. Jeannot, j'étais sculpteur, mon petit. Le meilleur du meilleur. Puis j'ai découvert ma fierté, mon bébé. La recette du pain aux doumises. La recette du bonheur, pour ainsi dire. Je fais moi-même le mélange. La patch modélise chaque minute. C'est une nouvelle œuvre d'art. Sauf casse-bouffe, tu vois. Je vois tout à fait. Parfait. On casse des trucs. De toute façon, les trucs, c'est fait pour être cassé. Il y a des petits nids en haut. Ah, on a trouvé Jack. Oh, ma Rose, je ne cesse de penser à cette nuit passée avec elle dans cette cabine. Hélas, ma famille m'interdit de la revoir, persuadée que les bousiers font d'ennuyeux compagnons de fête. Quel membre détriqué. Mystérieux et inconnu, j'ai dessiné ce portrait de Rose en pensant à elle le jour de notre rencontre. Mon cœur vous implore de lui délivrer en mon nom. On aura bien sûr reconnu la référence hein, de Jack et de Rose. Et maintenant qu'on a trouvé Jack, on va voir ce qui nous manque pour libérer le chemin. Je crois que ce qui nous manque, c'est d'ouvrir la porte. N'oublie pas qu'il faut qu'on aille en haut pour le chauffage. Ah, je passe à d'auteur. Hop. Donc je monte, puisque de toute façon ça va être l'objectif. On monte, on monte, on monte. On monte. Et il me faut la clé. Ok. Ah oui, ça je l'ai pas. Je jure ne pas avoir la clé. Et ne pas savoir où on la trouve. J'en sais pas. On va chercher, hein, du coup. J'ai peut-être fait une bêtise en demandant au Métini de porter. Parce qu'effectivement, s'il nous faut une clé et qu'on l'a pas, on va pas aller loin. Mais c'est pas vrai! Regardez-moi ces feignasses! Pas un pour me servir un coup de jaja! Eh le chevelu, fais quelque chose, fais-moi bouger ces andouilles, je suis en train de redevenir sobre. S'il n'y a plus personne pour boire de mes coups, je vais devoir m'y coller moi-même. Dur métier.
Je suis en permission. Bon, je suis un peu déçue. On m'avait promis une sacrée fiesta, mais on dirait que c'est pas la joie en ce moment. C'est pas de chance pour eux, une punaise qui danse, c'est quelque chose. Retournez bosser, sangbleu, le crabe mou est une sandwicherie, pas une garderie. Tout de suite, patron. Merci, patron. T'es un bon gars. Et je t'augmente de 20% ce mois-ci. Chouette, super. 20% de zéro, ça fait toujours zéro, Bobby. Ok, donc on a une prise là, de ce côté-là aussi. On aura des choses à allumer sans aucun doute. Non pas que j'affectionne particulièrement vos soirées de débauche, mais elles avaient au moins le mérite de payer vos taxes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vous préviens, si vous continuez à buller, c'est la garde qui viendra vous faire payer. Avec tout le respect, papy, ils savent nager, tes dynastes? Ils vont avoir du mal à nous attraper s'ils coulent comme des cailloux. Relax, ok? C'est nul, maman m'avait fait un super déguisement de bousier pour la fête. Elle m'avait roulé un joli tas de tissu en boule pour que je rentre dedans. Il y a ici quelque chose qu'on peut pousser. C'est parfait. Il y a ici toute une réserve de tini qu'on n'a pas prise. Là aussi, il y a toute une réserve de tini qu'on n'a pas prise. Et on pète cette chose. Wow, hé frérot, c'est quoi sur ton crâne là, l'espèce de touffe rose? T'es resté un peu trop sous le soleil et ça s'est mis à pousser, c'est ça? Ok, donc on remonte ici. Je pose la question si il peut nous aider. Ok, il a rien à nous dire sur la clé. Je me souviens plus. Zut. J'ai chu. La clé fait pas partie des objectifs. Pourtant, je pense que on va devoir ouvrir. Parce que. Si je me trompe pas. Voilà, ils attendent que la porte s'ouvre. C'est un peu ce que je me doutais. Hop. Alors, y a-t-il des choses à faire sur ces rouleaux de PQ? Oui, il y a des choses à faire sur ces rouleaux de PQ, c'est parfait. Donc, il y a plein de choses à faire sur ces rouleaux de PQ. Il m'en manque un. Lol. Ici, il y a des tinis bleus. C'est pas ce qu'on a tout à fait besoin, même si faut que je remette en route le chauffage. Je vais arrêter de me disperser. Des tinis rouges. Je voudrais des tinis roses, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire ça parce que c'est trop tentant. Surtout si j'y arrive pas. Non, mais c'est pas toi que je veux. Voilà. Donc ici, on a une prise. On a des tinis bleus. Ok. J'ai peut-être fait une bêtise avec le tableau. Sauf s'il y a des tini roses par ici. Je crois pas. Astiquette qui dit qu'on est désolé. Est-ce qu'elle nous dit où sont les clés?
Elle ne nous dit pas où sont les clés. Il y a des petits rouges tout en haut, je vois. Et il y a plein de choses aussi par-dessus. Par-dessus. La barre de douche. Ok. J'aimerais bien trouver sa prise. Est-ce qu'il est où? Ah, il est là, son fil de prise. Ok. Ah, j'ai rien à choper, je crois. Je vais me poser là. Ah, aussi, il y a des petits bleus. Parfait. Ah, j'ai fui. J'ai pas la vision aujourd'hui. Je préfère y aller en bourrin. Voilà. On a tout le monde. Et la prise est par là. On l'a vu, ça y est. La prise est là. Et ici. Ok. Ça a l'air pas trop compliqué. 18 ini, on a ce qu'il faut. C'est parti. Je peux changer mon. Voilà. Oups. Oui, ce genre de détail. Je me demandais si je pouvais passer par là. Ça vaut peut-être pas le coup. Non, on a encore 11. On peut tout à fait. Tant que je tombe pas. En avoir assez. Voilà. Donc on a rallumé le chauffage. Mais j'ai toujours pas d'idée sur où est cette clé. Je vais tomber comme une patate, oui, tout à fait. Ça m'apprendra à réfléchir. Donc on va s'aventurer bah, de l'autre côté, hein, dans ce rayonnage-là. Et aussi par là où on n'est pas allé. Je sais pas si j'ai assez de tini pour monter. Bah oh, si. Une lettre, c'est cool. Si je suis logique, il y a 4 lettres comme dans les autres. Hein. Hop. C'est parfait. Alors j'ai vu que j'en avais laissé en bas. Pour l'instant, je vais accepter de les laisser en bas en essayant de ne pas les oublier. La prochaine fois qu'on passe par là. Donc, parfait. Parfait, parfait. Il y a une prise. Commence à savoir ce que ça veut dire, les prises. Oh, on va se marrer. Ok. Ah, je suis tombée trop bas. Non, décidément. Décidément, j'ai une mauvaise vision globale aujourd'hui. Ah, retombée. Sérieux. Grimpe sur ces tuyaux, Milodan. Bonne nouvelle, c'est que normalement, si je les loupe, les tignes les prennent quand même. Sauf si je les loupe vraiment, comme là. Donc on a un tuyau par là.
je pense que j'ai pas assez pour... Ah si, je peux aller dessus. Et je peux péter ça. Ah, ce qui me permet d'aller là. Ok. La clé, elle est pas de ce côté-là. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il y avait une clé à choper. Hein. De ce côté-là. Ah, la clé est là. Je la vois sur la... Je vais zoomer. Là. Je peux zoomer encore plus. Voilà. On a vu la clé. On sait comment on va se décoincer. Est-ce que j'ai besoin d'aller tout en haut? Oui, mais pas par là forcément. Donc. Parfait. Ça c'est cool. Et ça c'est cool également. On va le faire maintenant. J'ai pas spécialement besoin, mais au moins ce sera fait. Et comme à l'accoutumée, je vais refaire dans l'autre sens. Et on va tricher tout simplement. Voilà. Donc on veut cette clé. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre. D'ailleurs, est-ce que descendre est la meilleure des choses à faire? Il y a l'air d'avoir un truc à faire avant de descendre. Ah oui, je suis pas descendu en même temps que le bidule, c'est ça? Ah oui, je suis trop bas. Voilà. Vu que le poids descend en même temps que nous, c'est pas évident. Ça n'a rien fait, là. Si, ça fait quelque chose. Bah, j'ai pas été très attentif. Je n'ai pas vu ce que ça a fait. Oups. Du coup, on va aller ouvrir cette porte. Et on s'arrêtera ensuite. Hop. Il y a plein de tiny ici. Parce que normalement ça fait quelque chose avec le rideau de douche, mais... J'ai pas l'impression qu'il ait bougé. Très étrange. C'est pas grave. On va aller s'occuper d'ouvrir cette porte. On prend de la hauteur et on reprend un chemin un peu plus praticable pour aller jusqu'ici. Est-ce que j'ai un angle de vue sur la porte? Non, bien évidemment, ça serait trop simple.
là j'ai pas d'angle de vue à cause de ça. Et là, oui, j'ai un angle de vue. Elle est juste là, mon gars. L'angle de vue est un peu pourri, on va pas se mentir. Non. Voilà. J'étais sans doute pas au meilleur endroit pour ouvrir cette porte. Mais au moins maintenant, elle est ouverte. Et donc, on va pouvoir livrer les cadeaux de Jack et Rose. Et on va livrer cette enveloppe aussi en passant. Et j'ai comme l'impression qu'on a dépassé les 900 bulles! Milo, tu sais, il y a un côté sombre du métier de brasseur dont je t'ai encore jamais parlé! Il se trouve que parfois, faire le meilleur nectar n'est pas le plus rentable! Je vais être franc, le pollen d'ici sent pas la rose, plutôt le contraire, mais on peut en faire des cuvées entières! Et couper avec un peu de doux mise, c'est digérable! Les fêtards du coin adorent ça. Parfois, il faut mettre la noblesse de l'art de côté pour faire tourner la boutique. Oh mon pauvre, vite, donne-moi tout ce pollen collant, je prends le relais. Urk, tiens, ta récompense. Va falloir une belle réduction, une jolie étiquette pour vendre cette piquette. Je vais en mettre une bouteille sur mon étal à l'arrière. Donc, on a gagné notre bulle de planeur pour ce niveau. Voilà ce qui clôt cet épisode. Il nous reste encore plein de choses à faire, mais ce sera pour la prochaine fois. Bye bye!